Ce soir, ils sont chargés de présence, et ce soir, l'Allemagne a premier conseil du Chinois qui se fait, qui se fait officiellement de meilleure façon. Naturellement, Stéphane Fazario, John Bernard, Tony Brenner. Suite à des accidents, bien sûr, naturellement, il revient tout à fait à son niveau, n'est-ce pas, Brady? Là, c'est la révélation de son numéro 4 avec Mathias Trésorieux, comme t'as petit, Mathias Trésorieux! C'est le meilleur pilote français toute cette saison, malgré le peu de courses sur la télévision, c'est David Bellego. Donc on accueillera Dimitri Berger un peu plus tard, apparemment il a un souci mécanique, j'espère que ça ne va pas durer parce que Dimitri Berger, ici vous l'attendez tous. Jean-Jacques, tu peux rajouter si vous voulez. Oui, champion du monde en Prague, troisième égale hier à la finale des champions d'Europe par paire en Italie, à Torrenzano. On peut l'applaudir. Dimitri, Jean-Patrick, on va accueillir les 16 de quart, c'est ça? C'est ça, même. Ici, quand même. L'absence sur vos grilles de Kyle Labatte, qui apparemment est susceptible au Covid. Donc, il est en discute fortement. Et voilà, la compréhension d'esprit que car il a fait des entraînements, c'est bien ici, et il souhaitait bien en courir. Voilà, donc dans notre programme aussi, la Lévite, vous voulez bien, mais on est Ernest.
car croyez-moi, le dynamique, je remercie fortement les bénévoles, la secrétaire, etc., du dynamique motoclub, parce que le dossier a été coriace, on va dire. Réunir là, ça fait partie du protocole sanitaire également. Donc, s'il y a ta famille, bon voilà, évitez de garder aussi ce masque, de vous éloigner un peu, il y a de l'espace ici. Et puis voilà, de respecter, de ne pas se taper une fois dans les bulletins. Ce n'est pas dire que dynamique motoclub n'a pas besoin. Xavier Muraté, tout à fait à l'extérieur, bonnette jaune, Benjamin Campbell. Et au couloir numéro 2, il arrive tout doucement, il va se présenter. Zoali, il est startignette. Jordan Desbernard. Premier arrêt, je l'attention va monter au fil et à mesure que le meeting va se dérouler. Dans quelques heures, on connaîtra le meilleur français 2020. Et on espère tous qu'il soit français. Thank you.
2, et 0 points pour John Bernard. 3 points pour Nick Berger, 2 points pour Tom Brennan, 1 point pour Stéphane Trésorio, et 0 points pour John Bernard. Thank you.
Rafael Pedarier.
Benjamin, il est debout. Thank you.
la meilleure adhérence. Ça bouge dans tous les sens. On a du mal un peu à se mettre en place. Et pourtant, on est encore loin de la finale, mais tous les points comptent. Allez, messieurs! Thank you.
Thank you.
Malpeille en Malpeille. À ses côtés, Paulette Jaune, l'équipage David Chaminade. Guillaume Comblanc. Paulette Blanche. Juste à côté des Paulettes Bleues, Vincent Tochepas.
3 points pour Jordan Dubernard, 2 points pour John Bernard, 1 point pour Gabriel Dubernard. Thomas Valadon n'en part pas. Très bonne course, très bonne course. Il y avait les pouces, c'est le passe en demi-finale. Marie cherche la bonne formule à l'extérieur. La concentration est extrême. C'est la dernière avance de ces garçons. Avec l'ennemi. Xavier Durandé va essayer d'aller chercher quelques points, pourquoi pas. Gaëtan Sciella qui a dû casser la courroie ou un truc comme ça. Quel dommage pour Gaëtan. C'est à soi-même. Il n'y a pas regardé qui a la beauté. Car ce sont des garçons expérimentés qui courent chez nous en France. On apprend, et je le sais dans le sport, on apprend ce qu'avaient les femmes autour de soi. C'est là qu'on progresse.
pas, je m'intéresse. Allez, monsieur, faites-moi venir.
c'est relevé. Bravo Stéphane. Alors, faut raconter les points. Sensationnel David Bélégon.
Bon retour, prudence, à l'année prochaine. Et merci Jean-Jacques, Master Flash, les secours. Remis par Charlène. Alors, pas le contact de bise, mais bon, c'est comme ça. On peut descendre des fois le masque un peu. Bon. Mais entre nous. Pour les photos, si vous voulez le baisser un peu, il le remettre. L'église. Jérémy. La première Jérémy. Place pour Guillaume Comblon, Coé, Agès. Interviewer, mais on n'a pas le droit. Alors. Jérémy, je te vois pas bien. Un mot peut-être de loin, je sais pas, mais. Ouais. Bon, on peut les applaudir bien fort, ils peuvent rester pas loin du podium, c'est l'édition 2020 de la Motte. On peut rester sur les côtés, c'est les meilleurs points. Du monde de club de Moses. Voilà, il a tout fait, il a tout cherché. Ex-pilote de Grand Prix. Il souhaite habiter en France prochainement, apparemment. Donc, on le retrouvera certainement beaucoup plus sur les pistes françaises. C'est un sacré pilote, il faut le dire, malgré tout. Le deuxième, Dimitri Berger. L'ex-champion du monde du long track. On a bien vu qu'il faisait partie vraiment des meilleurs. À la cinquième place, c'est Steven Goré. Il a 19 ans. Et je pense qu'il méritait d'être pas loin du podium. Voilà. Il est chez lui, il bosse pour le faire. Mathieu Trésarier en quatrième place à côté de Chris Harris. Et David Belléo qui monte sur la première place du podium. Voici les meilleurs Français et on attend avec Master Flash l'hymne national française.